Bonjour, bonjour, on est lundi 1er août, il est midi 20, je viens de vous filmer du coup la wishlist anniversaire. J'ai fait un petit make-up avec cette petite palette, ça faisait trop longtemps et franchement, incroyable, incroyable. C'est la High Earth Revolution Raspberry, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. En même temps, je ne me maquille pas beaucoup les yeux. Après, j'aime bien le rendu, mais voilà, je me suis éclatée, j'ai mis l'highlighter au-dessus, voilà. J'ai perdu la main, hein. Ça se voit déjà que je suis pas forcément une très bonne maquilleuse, mais j'ai un peu perdu la main, mais bon, ma foi, moi ça me plaît, donc c'est le principal, il fait hyper chaud, hein, vous en doutez. Donc voilà, j'ai fait la wishlist, hein. Comme ça sera pour mercredi, ouais mercredi, donc voilà, j'avance tout doucement, parce qu'on est quand même lundi, j'ai mes vidéos que jusqu'à mercredi, mais bon, écoutez, ça va le faire. Aujourd'hui, programme du jour, bah, il faut que je mette la vidéo du coup sur YouTube. Il faut qu'on aille à Carrefour chercher de la litière pour les ptios. Il faut que je reprenne pour la belle-sœur de cappuccino à la coco de la marque Carte Noire. J'ai goûté ça, c'est une tuerie, mais du coup, je vais tout piquer, donc il faut que j'en rachète. J'espère en trouver dans les magasins, parce qu'apparemment, ça se fait pas trop dans les magasins, donc je verrai bien. Il faut que je dépose un courrier aux impôts, mais comme on a les impôts pas loin, je vais pas mettre un timbre. Je vais le déposer directement dans la boîte aux lettres. C'est par rapport à YouTube. Hein, ça m'a fait bizarre parce que quand j'ai signé le papier, il demande la qualité. Qu'est-ce qu'on est en fait par rapport à la société. Du coup, j'ai regardé sur Google parce que je ne savais pas. Donc, j'ai mis gérante. Voilà. Je suis gérante, je suis patron, je suis... C'est bizarre. Hein. Donc voilà un petit peu. Je vous ai mis un petit short ce matin sur mes miniatures de parfum parce que j'ai du mal à tenir le rythme un short par jour. Et puis voilà, voilà. Il fait lourd, il ne fait pas spécialement chaud, c'est un peu couvert, mais il fait très très lourd. Voilà, hier on était en famille. Et puis voilà, il n'y a rien de fifou. J'attends un colis Maki Beauty qui doit arriver en mondial relais. J'ai reçu un petit colis Notino aussi. Et puis voilà, jeudi on va à Primark. Et du coup j'en profitais aussi pour regarder, parce que je vous avais parlé du baume démaquillant Sephora qui n'est absolument plus dispo sur internet. Et comme là où on va il y a un Sephora, du coup je vais faire un click and connect. Comme ça au moins je serai sûre de l'avoir. J'en profite parce que nous notre Sephora il a fermé ici. Donc du coup bah, comme on va aller... Comme on va aller là-bas, on va aller dans un grand centre commercial. Du coup, je vais faire un click and connect, comme ça j'aurai plus qu'à le récupérer. Et puis voilà, je crois qu'en plus il en reste que 3 en stock, donc il faut que je regarde ça. Et puis voilà, voilà, rien de fifou, rien de fifou. J'ai hâte d'être jeudi, enfin les magasins. Comme je vous ai dit, je ne vloggerai pas, donc je pense que le vlog sera un peu court. Mais voilà, c'est les vlogs vacances, de toute façon, encore une fois, voilà. Là il y a plein de choses. Le petit revient le week-end prochain, enfin samedi hein, pour mon anniversaire. Et puis voilà, voilà. Je vais essayer aussi d'en faire des petites créations parce que du coup j'ai été dévalisée sur mon Vinted, merci beaucoup. Et voilà, je vais essayer de remettre des petites choses sur mon Vinted. Donc j'ai pas mal de choses à faire cette semaine. Et on verra si j'arrive à tenir une vidéo par jour hein. Sinon bah tant pis, il n'y aura peut-être pas de vidéo jeudi. Je vais pas me mettre la rate au corbouillon, comme on dit. Voilà, je sais que c'est les vacances et tout, déjà. Je peux essayer de moins me mettre la pression un petit peu. En plus, il faut que j'organise un peu les vidéos fin d'année, là. Donc il y a pas mal de petites choses à faire. Et puis, voilà, voilà. Je vais vous laisser là, parce que du coup, je vais aller me démaquiller, hein, parce que j'ai chaud. Et puis on va aller entre midi et deux, là du coup on va aller déposer le courrier et aller à Carrefour. Et puis cet après-midi du coup je m'occuperai de la vidéo pour mercredi. Et puis voilà, peut-être que je ferai une vidéo tout à l'heure, je sais pas, je vais voir. Je vais voir, j'espère en tout cas que vous allez bien et bienvenue dans un 32, on est toujours le même jour. J'ai chaud, en plus j'ai mes bricoles qui sont arrivées ce week-end, donc je suis... Il fait 4000 degrés à l'intérieur de mon corps. J'en peux plus d'être une femme. Donc voilà. On a été du coup à... Je vais aller chercher parce que j'y pensais plus. Donc on est parti déposer mon papier. Et qu'est-ce qu'on a fait?
je sais pas, on a fait deux trois trucs, je sais même plus ce qu'on a fait, bref. Et parce que je me sentais pas bien en fait pendant que. Si, on a été chercher des palettes. Enfin, on cherchait des palettes en bois parce que du coup, on va refaire tout le salon en bas. Et en fait, je sais pas, je me sentais vraiment pas bien, j'avais envie de vomir, la tête me tournait et tout. Donc, on s'est arrêté du coup à Auchan pour prendre un petit coca, quelque chose. Et puis, j'en ai profité du coup dans la galerie pour aller à Nocibé parce que j'avais complètement zappé. Donc, du coup, j'y suis allée là. J'ai été chercher mon petit cadeau d'anniversaire. Et du coup, au niveau du comptoir, vous avez bien maintenant du coup l'inscription par rapport à la loi, je sais pas quoi. Donc en gros, ils donnent plus d'échantillons, sauf sur demande du client. Donc bah, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, parce que j'ai acheté un truc aussi vite fait, et j'ai demandé un échantillon. Et la dame m'a dit, blablabla. Je dis oui, mais c'est marqué que si on vous demande, et elle me l'a dit de toute façon. Ils ont du mal à donner des échantillons, hein, je vous jure. Hein. Et du coup, elle me dit, oui, la maison n'en donne plus. Mon œil, mon œil, mon œil, mon œil. Donc du coup, j'en ai profité pour prendre une petite crème. Ouais, il y avait un petit chat. Et encore, hein, monsieur, il m'attendait, puis après, il est rentré dans le magasin pour... Du coup, je me suis dit, oula, je me calme. J'ai regardé aussi mon gel exfoliant. Voilà, ça va, j'en ai pas mal, donc il faut que j'ai déjà que je finisse ce que j'ai. Mais du coup, j'ai fini celui que l'une d'entre vous m'avait envoyé, c'est mon préféré. 9,50. Il a bien augmenté. On va pas en parler, mais j'en parle quand même. Est-ce qu'on en parle des prix qui augmentent? C'est une catastrophe. Ce week-end, Leclerc était à prix coûtant. Il y avait un monde de malades. Mais là, les prix, c'est incroyable, c'est incroyable. Là, ce matin, on a reçu une commande, oui, Leader Price, du coup. Du coup, on est en train de stocker un peu, hein, parce que franchement, on ne sait pas comment on va être mangé. J'ai pas de mots. Franchement, moi, ça me fout la trouille. Vraiment, ça me fout la trouille, parce que les prix ne font qu'augmenter. Apparemment, ça ne va pas s'arrêter là. De toute façon, 2023, ça va être une catastrophe. Je ne sais pas où on va, mais ça fait un peu peur, quoi. Donc voilà. Donc j'ai pris une petite crème pour les mains comme ça, à la vanille à 3,50 €. Ça se sent à travers l'opercule. Voilà, il y avait un petit chat. Et puis du coup, elle m'a donné mon cadeau. Les autres années, c'était une mousse de douche. Et là, du coup, c'est un gel douche. Voilà, de leur gamme Les Délices. Parfum tarte amandine. Gel douche onctueux, fabriqué en France. 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Un format de 100 ml. On l'a senti avec mon chéri, ils sont trop bons. Voilà. Donc, bah, c'est un beau cadeau. Chaque année, Nocibé fait un beau cadeau. J'ai eu quand même mon petit échantillon. Voilà. Alors, faut le demander. Puis après, j'ai eu un bon de réduction valable plus tard. Donc voilà. Faut vraiment les demander, les échantillons. Mais bon, de toute façon, déjà avant, franchement, c'était à galère. Mais maintenant, je pense que ça va être compliqué pour les échantillons. En tout cas, en parfumerie, hein, je parle. Parce qu'après, les campagnes d'échantillonnage, des choses comme ça, je pense pas que ça va s'arrêter. Hein. Donc, je sais pas. Je sais pas trop ce que les échantillons vont devenir, mais écoutez, ma foi. Tant qu'on peut en avoir, bah, moi, je demande. Hein. Je vais pas m'arrêter à ce qui est marqué sur les crypto. En plus, c'est bien demandé. C'est bien marqué qu'ils vous en donnent pas d'eux-mêmes, en fait. Ce qu'ils faisaient déjà pas avant, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. C'est à vous de réclamer, en fait. Bon, je vois pas trop ce que ça change. C'était un petit peu déjà ce principe-là. Tous mes ongles sont en train de partir en cacahuète, donc je pense que je vais mettre des faux ongles dans pas longtemps, parce que là, j'ai passé presque toute ma vie à manger mes ongles, vraiment. J'ai jamais eu les ongles longs. Et depuis que j'ai rencontré mon chéri, donc bah, ça va faire bientôt 5 ans, je ne me mange plus les ongles. Voilà, donc j'ai des ongles, j'arrive à les nettoyer. Là, celui-là, il s'est cassé. Mon pouce, il s'est encore arraché. Là, il s'est cassé. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai acheté des faux ongles, parce que bah, je les soigne pas bien aussi, je pense, et ils sont hyper fragiles. Mais voilà. Donc voilà, là je me suis calée du coup devant le PC, parce que j'ai deux, trois trucs, je suis explosée. Je suis fatiguée, mais ça c'est mes trucs, hein. Ça va aller mieux. Et du coup j'ai remis deux, trois trucs sur Vinted, j'ai mis un genre de petit rangement que je devais mettre depuis un moment, mais je ne l'avais pas mis. Et j'ai mis une création que j'avais faite avec du bois flottant.
Et j'ai voulu mettre la bouteille vide avec le coffret du parfum Scandale sur Vinted. Il m'a supprimé l'annonce. Je vais pas chercher à comprendre. Et du coup, là, je vais faire quelques petites créations parce que du coup, sur mon Vinted, il n'y a plus rien. Et puis, bah, moi, du coup, j'ai plus grand-chose non plus. Donc, je m'attelais à ça, là, devant quelques petites vidéos YouTube. Ça va être chill aujourd'hui. J'ai fait du coup ma vidéo tout à l'heure. Donc, la vidéo wishlist anniversaire. Je verrai demain si j'arrive à filmer une vidéo. Si j'y arrive, bah, vous aurez une vidéo par jour. Sinon, peut-être que vous n'aurez pas de vidéo jeudi. Voilà. Vous inquiétez pas. Enfin, de toute façon, on se sera reparlé d'ici là pour le live samedi. Mais voilà. Je pense peut-être pas que vous aurez une vidéo jeudi. Tout dépend de comment je vais m'organiser. Donc là, je vais faire mes petites créations, du coup, avec mes petites perles et tout. Et puis, ça me fait du bien aussi de créer, de me mettre un peu dans ma petite bulle avec de la musique ou des vidéos, je sais pas. Et puis, voilà. J'ai pas mal avancé sur Manifest. Et j'aime trop cette série. J'aime trop. Mais je crois qu'il y a que 3 saisons, je sais plus. Donc j'ai presque déjà terminé. Ça, je vais garder parce que je vais vous faire comme l'année dernière une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire des marques. L'année dernière, je vous l'avais déjà fait. Comme ça vous donne aussi que ça soit bon de réduction, bon d'achat, cadeau physique. Voilà, vous avez déjà fait ça l'année dernière. Et du coup, je vais vous refaire la même vidéo. Parce que bah, tout simplement, ça peut vous aider voilà, à savoir. Parce que s'il y a des marques ou des choses comme ça qui vous intéressent. Bah du coup, c'est vrai que pour l'anniversaire, ça peut valoir le coup. Là, par exemple, Clarins, j'ai 20%, voilà, sans minimum de commandes. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc au fur et à mesure que je reçois des mails, des choses comme ça, je liste. Et puis voilà, je ferai une vidéo complète quand j'aurai à peu près tout. Je pense pas que ce sera la semaine prochaine, vu que mon anniversaire, c'est le 6. Je pense que c'est dans la semaine que ça va arriver. Peut-être qu'il y aura moins de choses. Donc comme ça, je regarderai la vidéo que j'ai faite l'année dernière pour comparer un petit peu, voir. Je pense qu'il y aura. Bah, l'année dernière, elle n'est pas non plus extra. Enfin, il n'y a pas énormément de choses. Hein. Les marques font plus. C'est plus comme quand. Enfin, moi, je me rappelle quand on était enfant. Par exemple, à Leclerc, on avait notre gâteau d'anniversaire offert. Je sais pas si vous avez connu ça. Je me rappelle, le ticket de caisse, du coup, on avait notre gâteau d'anniversaire offert. Ça n'existe plus maintenant. Donc voilà, au fur et à mesure, on a la chance d'avoir connu le monde d'avant. Parce que je pense que ça y est, on arrive dans le monde d'après. Le monde change, les choses changent. Et ça fait un petit peu peur quand même. Je ne vais pas vous dire moraliser, hein, mais c'est vrai que voilà, les choses changent et après c'est à nous de s'adapter en fait, tout simplement. Donc voilà, donc là je vais faire mon petit atelier perles, mettre ma vidéo en même temps pour mercredi. Et puis pour aujourd'hui, ça va déjà être pas mal parce que je suis très fatiguée. Et voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, du coup, rien d'extraordinaire. Demain, il n'y a rien d'extraordinaire. Peut-être que le propriétaire, s'il est passé vite fait ce matin, on va peut-être avoir la clim du coup. On est tombé sur un bon propriétaire. Hein. Je vous jure que le karma fait bien les choses quand même. C'est logique en même temps. Mais du coup, ouais, il va nous mettre. Il va équiper les appartements qui le souhaitent, les personnes, les locataires qui le souhaitent, avec la clim. Donc voilà. C'est lui qui fournit, c'est lui qui. Nous, après, on va juste payer 5 euros, je crois, par mois. Pour voilà, pour l'aider. Mais ça va nous changer la vie, la clim. Parce qu'en haut, franchement, c'est plus vivable. C'est plus vivable. Donc voilà un petit peu. Je suis désolée, je suis un peu de tense aujourd'hui. J'arrive pas trop à me mouvoir. Mon cerveau est en mode de pilotage automatique, je crois. Voilà. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. On se Bonjour, retrouve plus tard. bonjour, on est mercredi, je crois. On est le 3. Il est 11h16. J'espère que vous allez bien. Je viens d'éternuer. Avec le ventilateur, la chaleur. Je voulais vous remercier pour tous vos petits messages par rapport au post que j'ai fait. Comme quoi, depuis 2 jours, ça va pas trop. Merci du fond du cœur, vraiment. Donc voilà, jeudi, il n'y aura pas de vidéo. J'ai pas la gouache aujourd'hui de faire une vidéo. Et puis demain, du coup, je vais à Stokomani finalement, pas à Primark.
Ça tombe bien parce que j'ai peut-être vu mon miroir là-bas, donc je verrai bien un petit peu. On est dans le noir, noir, noir. Il fait je sais pas combien. Le propriétaire est en train de nous poser la clim, donc ça c'est cool. J'espère que ça va vraiment nous aider parce que je pense que aussi c'est dû à ça. Hein. Depuis 2-3 jours, il y a eu pas mal de choses. Je travaille beaucoup, je me repose pas vraiment. Et il y a la chaleur, hein, très clairement. Hein. De toute façon, je suis comme tout le monde. Hein. On est tous un peu dans le même état en ce moment. Et voilà, je fais quelques petits malaises entre guillemets. Et puis je pense aussi, bah, il y a le traitement aussi, hein, que maintenant je prends qu'un demi. Donc tout ça mélangé. Et puis je pense qu'il y a aussi l'anniversaire qui arrive. Voilà, je pense que des fois il y a un condensé de tout ça et que on. Voilà, bah, tout simplement, c'est le corps et l'esprit qui parlent à notre place. Donc, ouais, j'étais pas très très bien. Je suis pas forcément plus en forme. Je me suis mis du gel nettoyant de Action dans l'œil. J'ai l'œil tout rouge du coup. Aujourd'hui, du coup, bah, là, il est en train de nous monter la clim. J'ai rien de fifou. Je suis en train juste de repeindre mes petits rangements là de bureau depuis 2 jours aussi. C'est mon chéri qui m'aide parce que la peinture, je suis nulle. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? Même si on a trouvé des palettes en bois, parce qu'on est toujours sur le système du canapé là. Et je suis allée chercher. Ah oui, si, je suis allée chercher mon colis Maki Beauty. J'ai eu du mal à aller le chercher, mais bon, je me suis motivée à y aller. Et en même temps, du coup, j'ai pris des rideaux pour pouvoir faire le rangement bureau. Parce que je voulais pas le faire. Parce que si je le fais, en fait, vous allez voir tout le bazar derrière. Voilà. Bon, ça va pas faire tout. Ça va pas faire le rendu que je veux, je pense. Mais voilà. Du coup, j'ai acheté un voilage, hein, tout bêtement. Et que j'ai accroché, du coup, à mes suspensions au-dessus. Voilà, un petit peu. J'ai toujours un peu cette envie de vomir. Pour mon. Donne un peu des nouvelles aussi de mon colis perdu. Donc j'ai fait une réclamation, je crois que c'était la semaine dernière, je sais plus, je crois que je vous en avais parlé. Donc je suis allée voir la petite dame de la poste qui pouvait pas faire plus en fait, et il fallait que j'appelle le 3639. Ce que j'ai fait, j'ai eu que des serveurs vocaux, j'ai rien eu de plus. Donc ils ont pris en compte entre-temps ma demande par mail, enfin le petit robot là. Et donc ils m'ont dit qu'ils s'occupaient de ça et ils m'ont envoyé un mail hier je crois pour me dire que bah non mon colis était en cours de livraison. Voilà. Donc depuis le 23 il n'a absolument pas bougé. Voilà. Donc je me suis pas embêtée, j'ai recommandé ce dont j'avais besoin le plus dans cette commande-là. Et puis je verrai avec Shein, je sais pas trop les modalités, j'ai regardé un petit peu sur le site, il n'y a pas vraiment de trucs colis perdus ou quoi. Donc je vais voir un petit peu. Voilà, j'ai recommandé ce qu'il me fallait parce que je pense que de toute façon ce colis-là, je ne le reverrai jamais. J'espère me faire au moins rembourser. Mais voilà, c'est les aléas, c'est pas du tout Shein, hein, pour le coup, c'est vraiment la poste. Donc il faut bien que ça arrive. Hein. Donc voilà un petit peu. J'ai un colis du coup à aller chercher aujourd'hui aussi. Et puis bah, rien de fifou. J'ai refait mon planning du coup. Voilà, je suis un peu flagada, hein, je dois vous avouer. Puis de toute façon, avec la chaleur, là, c'est la journée la plus chaude aujourd'hui. Donc voilà. Donc il est en train de nous mettre la clim. J'espère déjà que ça va nous aider. Je suis fatiguée aussi d'ouvrir, de passer mon temps à aérer en fait. En plus, je dois rester devant la fenêtre parce qu'il y a les chats. Donc c'est des trucs en fait en ce moment où j'ai du mal. Après, je sors. Enfin, j'avais. Là, mon dernier jour, c'était hier, mon dernier jour, problème de fille. Donc je pense aussi que tout ça mélangé, ça fait pas un bon cocktail, on va dire ça comme ça. Donc voilà, de toute façon, lundi, en y repensant, c'est vrai que quand j'ai vlogué lundi, j'avais l'impression d'être complètement hors de mon corps. Il y a des moments comme ça où j'ai l'impression de bugger, j'ai l'impression de mal m'exprimer. Je sais pas, mais après, je pense que c'est la fatigue aussi, hein, forcément. Donc, voilà, voilou. Je suis en train de regarder là le. Ah, excusez-moi, je change pas de page. Parce que sinon,
parce que là on est vraiment dans le noir total. Comment? Le short, moi action addict. D'ailleurs, c'est grâce à ça que vous me regardez, hein, parce qu'il mouline bien. On est presque à 10 000 vues. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Donc je suis contente. Je n'arrive absolument pas à tenir mon objectif d'un short, une vidéo par jour. Hein. Je manque un peu d'idées en fait, hein, aussi, hein, forcément, en faisant une vidéo par jour depuis, depuis le mois de juin l'année dernière. Il y a des moments où on bloque un petit peu. Hein. En plus, moi, je suis dans le lifestyle, les bons plans, je suis un peu dans tout. Mais je vous avoue, je pense aussi qu'il y a un peu de fatigue, hein, un peu beaucoup. Donc voilà, ça va être un peu le vlog de la fatigue chaleur. Donc il ne va rien se passer de plus aujourd'hui. Je pense que ce vlog sera vraiment tout petit. J'en suis désolée. Mais c'est la vraie vie, hein, encore une fois. Voilà. Donc je ne veux pas blablater pour rien dire. Hein, je retrouve plus tard. Il est 15h24. J'en profite un petit peu du coup pour m'occuper un peu de ma pièce. Voilà, ça m'occupe un peu l'esprit. Je suis allée vite fait du coup tout à l'heure entre midi et 2 à Action et je suis allée chercher mon colis. J'ai trouvé du coup les crayons stamping. J'en cherchais depuis longtemps et même sur Chine, il n'y en a pas. Et je suis trop contente. Du coup j'en ai pris 3. Je vous ferai le haul bientôt. Je suis reluisante. Je suis complètement. Alors que je fais rien de spécial. Là du coup je suis en train d'organiser depuis tout à l'heure, organiser un peu mon espace. Et puis voilà, modifier 2-3 trucs. Rien de fifou, ça me fait du bien aussi d'être là. La clim, je pense que ça va bientôt être terminé de monter. Et puis voilà, je vis avec. Bon, on est toujours dans le noir, hein, du coup, hein, excusez-moi. Mais c'est pour mes petits chats aussi. Hein. Et j'espère que la clim, ça va leur faire du bien. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est la journée la plus chaude. J'ai l'impression de passer mon temps à vous dire ça. Je sais pas combien on est de canicule, mais. Donc voilà. J'ai retiré Moby Dick, hein, parce que c'est le ventilateur, vous savez, de chez Chine, là, qui est hyper puissant. Petit, mais puissant. Et du coup, j'en aurai qu'un, hein, parce qu'il est dans le deuxième et dans ma commande perdue. Donc, je suis en train d'enlever les strass, les bandes strass de Action pour en mettre d'autres couleurs. Et ça colle bien. Hein. Donc voilà, de toute façon, mes ongles là, ils sont complètement foutus. Il va falloir que je fasse les faux ongles. Bon, du coup, je vous ferai une vidéo si vous m'avez demandé une vidéo. Je pense qu'on va rigoler hein, parce que je ne sais absolument pas faire ça. Donc voilà, j'ai pas mangé encore. Mais un peu compliqué. Hein. Je suis pas très très bien. Mais de toute façon, je pense que je suis un peu comme tout le monde. Donc voilà. Hop. On essaye de faire une ligne à peu près droite. Donc voilà, donc je suis en train de faire ça tranquillement. Et puis voilà, du coup je vous avais fait un petit short, j'essaye, demain j'essaye de vous en faire un aussi, je suis reluisante, du coup vous n'aurez pas de vidéo demain, je suis désolée mais ça me fait du bien de me reposer en fait, c'est pas spécialement me reposer mais pas prendre soin de moi quoi, tout simplement, penser un peu à moi, et puis de toute façon je vous dis, j'ai envie de vomir tous les 5 minutes et tout, donc... C'est pas trop l'idéal. Puis avec la chaleur, j'ai pas envie de me maquiller. Je sais pas si vous m'entendrez bien, parce que du coup, je parle déjà pas très fort. Là, j'ai pas trop de gouache. Et puis il y a les ventilateurs, même si j'ai mis au minimum le temps de vous parler quand même. J'ai reçu encore une lettre d'URSSAF. Oh, il va falloir que je paye. J'attends demain. Donc demain, ouais, on part tôt entre filles, du coup. On va pas en avoir pour la journée. Hein. Et on va. On va stocko du coup. Et j'ai vu qu'il y avait des petits trucs merci Andy et tout, donc je verrai. Et puis au pire, de toute façon, je ferai un haul. Mais ouais, ça peut être sympa. Peut-être aussi trouver mon miroir. Donc ça peut être sympa. À voir un petit peu. Là, je suis contente du coup. On a fini de peindre les petits meubles. Bon, le rendu est pas hyper magnifique, mais bon, ça restera comme ça. Il faut que je voie juste sur Chine pour prendre peut-être des petits boutons. Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Mais en tout cas, le rendu, le visuel, c'est ce que je voulais. Voilà, parce que du coup, je vais vous faire un rangement bureau. Et j'attends un dernier truc, mais je sais pas si ça va arriver. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Et puis, je vous ferai du coup un beauty room tour dans une autre vidéo.
vu qu'il y a quelques petites choses, il y a pas mal de choses qui ont changé. Je vais vous faire ça aussi pour cet été. Et puis voilà. Voilà, rien de folichon. Je vais aller manger un petit bout. Essayer de manger un petit bout. Finir mes... Bon, j'ai fini. Hein. J'ai mis les petits strass dorés comme ça. Et puis, je vais les ranger. Et puis, voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. Bonjour, bonjour. On est jeudi 4 août. Il est 18h31. J'aime bien ce petit Oshin que j'avais acheté. On est dans une lumière un peu dégoûtante, je suis désolée. J'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer, de me poser. à l'instant. Il fait chaud. Il fait très chaud dehors. Alors, commençons par le commencement. Donc, je suis partie à 9h30 avec ma belle-sœur et sa fille. Voilà. Donc, finalement, on n'a pas été à Primark. On est allé à Stokomani. Dans le 77, et du coup, on a fait Stokomanie. Après, on a été manger un petit bout. Après, on est allé à Leclerc. Ensuite, nous sommes allés à Kiabi, Chaussea. On est retourné à Leclerc aller chercher une bouteille d'eau parce qu'on avait trop soif. Ce matin, il faisait pas beau et en fait, finalement, on a eu du cagnard. Et après, on a fini dans une petite boutique qui s'appelle Enjoy Store. Je vous ai fait un petit short. Je vous ai aussi fait une petite story où j'ai tagué du coup. C'est une trop trop belle petite boutique. Vous avez du Makeup Revolution, vous avez du Root Cosmetics. Vous avez du Jewel Candle, du Yankee Candle. Waouh, c'est magnifique. Il y a des boules de bain, il y a des masques. Et il y a aussi du coup des petits gadgets, des petites choses. Voilà. Il y a des petites choses artisanales françaises, hein, des petites boutiques qui ont du coup intégré aussi. Voilà, qui sont venues démarcher la boutique. Et la boutique a répondu oui. Donc voilà, c'est vraiment des distributeurs à tous les niveaux et tout. Et du coup, je leur ai demandé en fait tout simplement si je pouvais faire quelques petites photos, quelques petites vidéos. Et voilà, et du coup, il n'y a pas eu de soucis, donc c'est pour ça que je vous ai fait un petit short. N'hésitez pas à aller voir les shorts, c'est les mini vidéos que je vous fais sur YouTube. Donc, ça a été une bonne journée shopping. Après, on est du coup reparti. Voilà, on est revenu à la maison, il était 17h, je pense. Et mon chéri veut à tout prix faire le canapé en bas au plus rapide, même si je lui ai dit d'attendre. Donc, nous sommes repartis. Puisque on a déjà plus ou moins toutes les palettes qu'il nous faut, les palettes en bois. Parce que là, le petit canapé normal, hein, j'ai envie de vous dire, qu'on a, c'est voilà. On a été habitué au grand canapé qu'il avait fait et on a du mal à repasser. On a du mal même avec un canapé normal, donc on va refaire un canapé en palette. Ça va être une grosse bête, vu que ça va être du 2m40 par 2m40, donc ça va être en angle, un canapé en angle. On va tout du coup changer la disposition en bas. Et là, nous sommes allés du coup chercher des matelas en mousse. Tout simplement, dans un magasin. Dans un petit magasin assez sympathique. Et du coup, le monsieur nous a proposé de mettre de la. Comment ça s'appelle d'habiller par un tissu. Mais en fait, c'est un tissu extensible. C'est comme une grande chaussette, en fait, que vous mettez par rapport au matelas. Et du coup, j'ai trouvé aussi deux coussins. Arrête, Calico, de te faire des griffes. Il n'est pas content parce qu'il n'a pas vu de la journée. Du coup, il fait des bêtises. Calico. Du coup, ouais, j'ai trouvé deux coussins. Je vais essayer de vous montrer ça. Je pense que je vous ferai une vidéo à part pour vous montrer un petit peu. Voilà. Et donc, tout à l'heure, normalement, il y a le beau-frère qui vient récupérer du coup le canapé en bas. Je n'arrête pas. Le propriétaire est en train de là nous mettre des goulottes pour finir du coup... Parce que vu qu'on a eu la clim hier, ça a du mal à monter encore en haut pour l'instant. Donc j'espère que ça va vite arriver. Et je vais vous montrer du coup mes petits achats. Je vous ferai un haul Stokomanie du coup demain. Je sais pas si... J'aimerais bien au moins me maquiller pour la vidéo. Je verrai, mais je ferai le haul Stokomanie. Il aura été mis pour vendredi. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté des vêtements à Leclerc. Ouais, des vêtements à Leclerc, Kiabi, j'ai pris 3 trucs et du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la petite boutique. Voilà, il n'y a rien de fifou, mais je vous montre en vlog. Donc déjà j'ai trouvé des gants comme ça, il y a des promos, ils sont à 2,06€,
Donc c'est la paire de deux gants. Vous savez que j'ai refait un peu les serviettes de toilette. Là, il faut les gants. Voilà, j'essaye de faire un petit peu au fur et à mesure. Et à Leclerc, il y a souvent des belles petites promos. J'en ai pris des gris comme ça. Pareil, 2,06. Et il y en a, c'est un lot de 2. Voilà. Ensuite, à Leclerc, toujours, je me suis pris une genre de petite chemise de nuit. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Une petite chemise de nuit comme ça, à petite bretelle. Avec du coup, bien sûr, c'est le motif qui m'a donné envie. Voilà, une petite lune comme ça. Et donc, c'était 3,95. Voilà. Ensuite, je me suis racheté un pantacourt en jean. Parce que les deux que j'ai, y en a un qui est... Bah, les deux sont tachés. De toute façon, ils sont trop petits. C'est des trucs que je garde depuis longtemps. Et là, il faut que je les vire. Donc, je m'en suis repris un. Il était à 7,95. Voilà. Un pantacourt basique en jogging, en jean. Mais c'est pour après. Hein. À un moment donné, il va faire moins chaud. Faut penser. Je me suis pris un petit pyjama comme ça en extension avec des petits chats comme ça et du coup il est resserré en bas. Voilà, désolé, vous avez pas le, j'ai pas mis l'anneau vu qu'il est derrière moi. J'espère que vous verrez bien. Je l'ai pris en taille M et il était à 5,95 € un bas de pyjama comme ça. Un sweat à Kiabi, j'ai pris un lot de deux petites ceintures comme ça. J'ai pas de ceinture. Je sais pas combien c'était. À 6 € le lot de 2. Donc ça va, ça fait 3 € la ceinture. Parce que c'est vrai que j'achète beaucoup de choses un peu amples. Et pour casser un petit peu, je me suis dit qu'une petite ceinture, ça pouvait être sympa. Voilà. Il y avait des petites promos. Je me suis pris un legging en lavande extensible comme ça. C'est pas une matière piscine, mais ça y ressemble un petit peu. Je pense que vous comprenez un peu la matière maillot de bain là. Voilà, en lilas comme ça, il était à 15 € moins 50%. Je l'ai pris en L. Voilà. Parce que des leggings longs, c'est pareil, j'essaye de penser aussi à la saison qui arrive. Et à Kiabi, je me suis trouvé un imperméable, je sais pas comment on dit, un genre de kawaii de mi-saison, parce que j'en ai pas du tout. Donc un vrai kawaii, hein, vous n'allez pas voir grand chose. Hein. Mais j'en ai jamais eu des KO. Donc là je suis contente, j'en ai un. Parce que j'ai pas envie de mettre ma doudoune si jamais il se met à pleuvoir. Et donc c'est un basique hein, avec une capuche. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un basique, mais je n'en ai pas. Et il était à Kiabi, il était à 20 € celui-là. Je l'ai pris en L, mais il m'en fallait un. Donc voilà, je suis contente, je me suis racheté pas mal de petites fringues. Vous verrez aussi dans le. Bah, vous avez vu dans le haut Stokomani. Et ensuite, du coup, dans la petite boutique. Je me suis pris 2-3 petits trucs. Parce que du coup, comme c'était mon anniversaire, mais que j'ai changé de numéro, vous savez, j'ai un numéro maintenant en plus prépayé. Et je pense qu'il y a beaucoup d'offres que j'ai pas reçues parce que j'ai pas les marques n'ont pas le bon numéro. Donc du coup, bah, j'ai fait en même temps de la pub à la caisse, entre guillemets, pour dire voilà, c'est bientôt mon anniversaire, est-ce que j'ai des réductions ou pas. Et Kiabi, ils sont moque le coquillard. Je devais prendre une paire de baskets aussi à Chaussea et le monsieur m'a dit en fait que bah, à partir de ma date d'anniversaire j'avais 20% même sur le cumulable avec les promos actuelles, donc je vais attendre la semaine prochaine en fait pour m'acheter ma paire de baskets vu qu'on a un Chaussea ici nous. Et du coup je me suis inscrite au fichier donc c'est la Enjoy Store, ça s'appelle, comme petite boutique. Du coup 1 € égale à 1 point donc là j'ai déjà 31 points donc c'est cool. À partir de 75 points vous avez 7 € en bon d'achat et pour l'anniversaire du coup vous avez 25 €. Donc il y avait une GOL Candle qui me donnait envie, donc je pense que je vais craquer, mais je vais attendre mon anniversaire. Donc là j'ai juste pris, si vous me suivez vous savez, mes fondants Yankee Candle Christmas Cookie. Voilà, c'est mes préférés. Donc je les ai pris tant que je les trouve, parce que chaque année c'est une galère à les trouver. Donc voilà. Oui, je sais, je suis déjà très loin dans la période, mais moi j'adore. J'ai pris un petit masque comme ceci. Dites-moi si vous savez, le visuel me dit quelque chose, mais je ne sais absolument pas où on les trouve. Je vous donne. Ouais, j'ai pas les prix. J'ai pas les prix. Mais je ne sais pas, le visuel me parle. Alors, est-ce que j'ai aperçu ça dans un small business sur TikTok? Peut-être.
J'ai pris, si vous avez vu la baignoire, des boules de bain, j'ai pris une boule de bain comme ça. C'est la première fois que j'en achète une. Elles sont trop bonnes. Je pense que c'est des petites choses vraiment faites à la main. Vous avez une petite bouteille du coup de champagne à l'intérieur avec une genre de chantilly. La boule de bain est rose avec des petites pétales. Je ne sais même pas si je m'en servirai un jour, mais je suis contente. Et je me suis pris une petite palette, oui, de la marque Rude Cosmetics. Je ne sais jamais comment ça s'appelle. C'est la Purple Flame. J'aime beaucoup le packaging. Donc elle est comme ceci. C'est une petite palette. Voilà, c'est ce que j'utilise le plus. Vous avez donc le miroir et vous avez donc la palette. Voilà. Je ne sais pas si vous allez très bien voir les teintes. L'ambiance, hein, forcément, c'est purple. Hein, de toute façon, c'est violine. Il y a un duochrome violet bleuté qui est magnifique. Et puis après, voilà. Donc, hâte de tester un petit peu cette petite palette. Je me suis dit quand même, j'ai fait du shopping et je n'avais même pas acheté de maquillage. Vous vous rendez compte? Je me suis dit, il faut que je me rattrape. Non, c'est vrai, j'ai pas acheté vraiment de make-up. Je suis contente. Donc voilà pour la boutique. Et puis du coup le hall Stokomani. Voilà. Donc comme ça, là, je vais pouvoir ranger ça. Là, clairement, je ne sais pas ce qui. Si le beau-frère du coup va venir chercher le canapé. Oui, j'ai eu un. Pendant que j'y pense. J'ai eu un retour. Je ne sais pas si je vous l'avais dit par rapport à ma réclamation à la poste, par rapport à mon colis perdu. Donc la poste m'a dit qu'il était en cours de livraison par rapport à ma réclamation. Donc depuis le 23 juillet, il est en cours de livraison. Voilà. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai refait une réclamation sur le compte de la poste. Voilà. Hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. En disant que il était où mon colis, quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, enfin ouais, dans la journée, parce que du coup, j'avais pas trop mon téléphone avec moi, j'ai reçu un mail de Chine me disant que suite à des ralentissements, il s'excusait que mon colis ne soit en gros pas trop parti sur la plateforme. De livraison qui me donnait 50 points du coup en cadeau et que mon colis devrait arriver. Voilà. Donc c'est pas la poste le problème, c'était Shein sur ce coup-là. Donc mon colis doit arriver et du coup je vais me retrouver avec parce que j'ai recommandé du coup deux articles de la livraison en pensant que mon colis je l'aurai jamais, donc je vais avoir des doublons. Donc je vous mettrai ça sur Shein, sur Vinted, ça pourra peut-être vous intéresser. Donc voilà un petit peu pour ça. Là, je suis contente, du coup, j'ai refait tout mon espace, donc normalement, c'est bon. Je vais pouvoir faire ma vidéo. J'ai plein de vidéos à vous tourner. Demain, normalement, on se retrouve un peu en famille. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a le frère à mon chéri qui n'habite pas en France qui est là. Et samedi, le petit revient. Donc, comment vous dire que je vais manquer de temps? Voilà. Ça va un petit peu mieux au niveau de l'énergie, même si la chaleur, bah, vous voyez ma tête, hein. Mes cheveux, ma peau. Depuis 3-4 jours, ça n'a ni queue ni tête, c'est une catastrophe. Voilà. Et puis, voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'ai faim, j'ai envie de me doucher, je suis trempée, j'en peux plus. Mais je suis trop contente du coup de cette journée shopping. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une journée entre filles, où je suis pas sortie comme ça. Ça m'a fait énormément de bien. Il n'y a pas besoin de faire énormément en fait, mais ça a fait du bien. Voilà, ça a fait du bien. Mon chéri était très content de me retrouver. J'étais aussi très contente de le retrouver. Mais ça nous fait aussi du bien d'avoir quelques petits moments. C'est très très rare, hein, de chacun, voilà, chacun de son côté. Donc voilà. Donc on n'a pas été à Primark, mais on était à Stokomani. Et je suis contente. Puisque, non, je ne vous spoil pas, même si vous avez déjà vu sûrement la. Si, bah, de toute façon, vous avez déjà vu la vidéo. J'ai trouvé quelque chose sur ma wishlist. Mon miroir, voilà. Donc, faut que je vous fasse le haul et puis voilà. Je vais vous faire le haul, je sais pas quand. J'ai pas envie de vous faire le haul dans cet état-là, franchement. Je vais me lever demain matin, je pense. Je sais pas, je sais pas. De toute façon, il faut que je vous fasse pour demain soir. Donc, c'est soit ce soir, soit demain matin. Je sais pas. Je sais pas. Vous entendez les bruits, ils sont en train de fignoler les dernières petites choses. J'ai aucune vidéo pour la semaine prochaine. Je sais, là je suis sous l'eau. J'en rigole, mais vous savez que ça ne me fait pas spécialement rire. Voilà, je suis complètement dépassée.
Donc voilà, donc ils sont en train de creuser des petits trous. Je sais pas si vous m'entendez bien, désolé du bruit. Je vous dis à plus tard. On est vendredi 5, il est 13h37 précisément. J'espère que vous allez bien. J'ai mis un petit crop top de chez Shein. Voilà, oui je sais, mais pour être à la maison et puis pour filmer, du coup c'est plutôt pas mal. Il est super beau. Et même s'il est court, bah, c'est pas grave, on voit pas mon bide quand je filme. Je me suis maquillée avec cette petite palette-ci. Voilà. J'ai mis un petit stamping de chez Action. J'adore. Je sais pas quand est-ce que je vais vous faire le haul. Voilà un petit peu. J'ai reçu deux commandes Shein. Un colis et un colis de l'une d'entre vous pour un anniversaire. J'attends de voir juste avec elle avant de l'ouvrir. Enfin, je l'ai ouvert. J'ai lu la petite carte. Merci du fond du cœur. C'est adorable d'avoir pensé à moi pour mon anniversaire. Je veux juste voir avec elle si elle veut bien du coup que je montre le colis en vidéo ou si je l'ouvre de mon côté. Voilà. Du coup, j'ai filmé déjà deux vidéos. J'ai filmé un short. J'ai rangé un peu mon petit bazar. Donc il faut que je monte tout ça. Parce qu'en fin d'après-midi et ce soir, on n'est pas là du coup. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. J'essaye de rattraper mon retard. Là j'ai fait la vidéo pour lundi et pour mercredi. Je vais peut-être déjà commencer la vidéo de mardi et j'aurai juste l'intro à faire. Et puis voilà, je suis plutôt pas mal. Peut-être j'aurais pu filmer la vidéo pour lundi prochain. Là mes semaines sont remplies jusqu'au dimanche 21. Voilà. Je vais vous montrer aussi parce que finalement hier soir nous nous sommes motivés. Je voulais vous faire une vidéo mais j'arrive plus à vivre l'instant et le filmer en même temps. C'est un peu compliqué. Donc je vais vous le montrer dans le vlog. Du coup monsieur a fini le canapé. Enfin juste qu'on rachète un ou deux coussins. Mais je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer Et puis je pense que je vais clôturer le vlog ici vu que j'ai pas mal de montage à faire. Je vais aller manger aussi. Je suis contente, je reprends bien la cadence là, donc c'est plutôt cool parce que j'ai pas fait grand chose. Donc voilà, donc il y a pas mal de petites vidéos. Excusez-moi, je regarde en même temps le PC. Pardon. Donc voilà, donc de toute façon demain matin on se retrouve en live à 10h pour My Birthday. Yes. Voilà, il y a pas mal de petites vidéos qui sont prévues, donc là je suis en train de faire tout ça. Je ne manque encore une fois pas vraiment d'imagination, je manque surtout de temps. Mais là, je suis contente, j'ai le temps, je m'organise bien, je suis contente. Voilà. Puis ce matin, j'ai eu plein de colis, j'ai eu l'impression que c'était mon anniversaire, alors que c'était des trucs que j'avais achetés. Sauf du coup, le colis de l'une d'entre vous. Merci encore du fond du cœur. Il faut que je regarde du coup ta réponse parce que j'ai pas eu le temps de regarder du coup, voir ce que tu m'as répondu. Et puis, voilà. Je m'organise aussi un petit peu dans mes papiers. Donc, je vais pouvoir vous faire le rangement bureau. Donc, ça, c'est cool. Donc voili voilou, je ne sais pas si j'ai grand chose à vous dire, je ne pense pas. Voilà, je suis dans le rush. Je voulais vous montrer la petite palette du coup pour vous montrer. Mais le petit stamping, franchement, je suis contente. J'ai là, du coup l'étoile, j'ai la lune et l'éclair, mais du coup j'ai. Le haut n'est pas encore filmé. Parce que je dois retourner à Action. Donc je pense que je retrouverai des petites choses. Donc je l'incrusterai dedans. Et donc voili voilou. J'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui il fait moins chaud, ça fait du bien. Donc c'est pour ça aussi, le plaisir de me maquiller, ça me manque. Et je suis plutôt contente du petit make-up que j'ai fait. Donc voilà, ça fait du bien, j'ai le moral, tout va bien, donc c'est cool. Alors, regardez pas l'état de la voiture, hein, c'est que les palettes forcément, faut qu'on aspire. Donc en fait il se met comme ça, et en fait vous avez même pas besoin, après en fait c'est relié en Bluetooth. Et donc vous mettez le Bluetooth sur le téléphone. Vous activez le Bluetooth et en fait vous pouvez aller sur YouTube, vous n'avez même pas besoin de raccorder en fait. Et automatiquement, la musique que vous allez mettre sur votre téléphone, vu que c'est en Bluetooth, vous avez juste après à mettre plus fort là, au niveau de votre volume de voiture, même si ça marque ça, c'est YouTube qui va fonctionner. Franchement c'est top, c'est trop bien. On se retrouve dans mon salon, du coup je vais vous montrer, après avoir testé le Bluetooth de chez Shein, je vais vous montrer du coup le salon. Franchement ça n'a rien à voir, donc je suis trop contente de vous le montrer.
Du coup, bah, on a tout modifié. On a mis tout ce qui est télé donc de ce côté-là. Et parce que du coup, comme on a en plus la clim en haut, du coup, on voulait pas avoir la clim quand on était sur le canapé, on le sentait. Et bah, voilà. Donc il manque peut-être un coussin, faut que je regarde. Moi, j'ai pas l'impression. Il manque des housses de coussin, ça c'est sûr. Mais Action est mon ami. Et voilà. Voilà. Donc c'est 2,40 m par 2,40 m. Donc on a remodifié comme ça. L'arbre à chat, on va voir, on va sûrement le modifier. Mais voilà le rendu. Donc ça, c'est les petits coussins qu'on a achetés chez le monsieur en même temps que les matelas. Et puis voilà, franchement, on est trop bien. On va être trop bien. Les petits chats sont ravis. Voilà, un canapé pour pas cher, franchement, c'est trop bien. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais déjà ce que vous allez me dire. Mais franchement, voilà. Ça fait un style un peu canapé marocain, hein, de toute façon. Mais en palette. Et là, maintenant, on a de la place. Voilà ce qu'il en est pour ce vlog. Merci énormément de l'avoir regardé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, avec nous. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser des petits pouces en l'air pour me soutenir. Et on se retrouve très vite dans des nouvelles vidéos.